Tant que j'ai pas ton truc avec ton petit point Ibiki, oublie. Pas de machin chelou, pas de truc chelou. Quand tu auras ton vrai compte, celui le vrai compte. Mais je sais que t'as 30 milliards de comptes, frère. Arrête et. Tu sais que t'as 30 milliards de comptes. Non, je vais pas taper ça, flemme, flemme. Non, même, j'ai pas vu que ça pop ça sur mon stream. Non, mais respecte un petit peu, voyons. Mon frère. Mon frère. Maintenant, vas-y, avec ton blast. Ah, je peux que... Tu me croiras pas. J'ai dit na. Tu faisais quand même être sur ta chaîne YouTube. Donne-moi ton vrai compte avec ton vrai blaze, là oui. En attendant, je parle le ranked. Ah, je vais avec plaisir, hein. Je t'ai dit pas avec ce nom de blaze là. T'as pas payé, t'as pas payé quand même. Attends, monsieur. Calmez-vous, je vous prie. Non, en vrai, non. Non, pour de vrai, pas un truc avec un blast comme ça. Oui, je ne veux pas de ça. Je veux pas affronter des blasts comme ça, frère. Eh. Non. Je reste droit dans mon éthique. Parce qu'en vrai, je m'en fous. Tu peux mettre sur YouTube. Ah ouais, y'a aucun souci. Faut pas avec des blasts comme ça, poteau. Pas avec des blasts comme ça. Mais je veux bien faire le FT10, mais avec un vrai compte, avec un truc, avec un vrai machin. Pas avec un machin. Avec un blast où il dit des blasts comme ça. Ça parle de kikine. Ah merde, tu me fais mon bagon point. Ah oui, je sors un autre compte, y'a aucun problème. Bon, le mec me fait perdre mon temps. Anti casu de mes couilles. Celui-là c'est pas mal, il est pas mal. Un autre compte au pif, mais avec un nom normal, qu'importe le rang, m'en bats les reins, mais avec un nom normal, ouais. Je lui dis que j'ai aucun rond, aucun nom normal. S'il te plaît. Aucun nom normal. Ça me dérange pas de faire le FT, tu le mets sur YouTube, tu me l'as avec son. Bon, je sais que t'es plus costaud, t'es à strict, t'es plus costaud. Ah, mais faut que j'arrête de faire ça. Ah, le bagon, quoi. Ah, la chope. Mec, t'as pas un compte avec petit point Ibiki. Casse les couilles, ce mec. Allez. Il me casse les couilles, ce mec. Regardez, maintenant je vais devoir me taper tout là. Juste parce que j'ai un petit zizi, ça ne convient pas. Pour un FT10 YouTube. J'ai pas dû, je lui ai dit que je mettais ça sur YouTube. Et maintenant. Maintenant il me fait attendre. Il fait attendre alors que je suis en train de le regarder se taper. T'as pas des contacts des non normaux toi aussi. Parce que je suis pas normal. Pas un truc offensant, pas un truc où ça parle d'entrejambes. Ça va. Après je ça, il y a une autre. Non, c'est vrai, c'est un truc. Que j'ai un petit zizi, stop troller, mec. Putain, il va m'énerver. Good.
Mais c'est pas contre toi, hein, c'est comme ça. Comme dit, bon, le LFT, y'a aucun souci. Ton souci, ah, tu fais pas chanter depuis tout à l'heure. Eh, ça va finir en drama, ça. Ah, tu veux jouer à ça? Vas-y, encore une fois. Encore une fois, vas-y, viens. Ça va finir en drama. Ça va peut-être finir en chanson, en fait. Salut, ouais. Bon. Kéké Blouken, c'est bon. J'en ai trouvé un à peu près normal. Kéké Blouken. Bien joué, bien joué. Bien. Kéké Blouken, c'est cool. Vas-y, on va voir bonjour le à peu près normal. Je te mange, je ne troll pas, je suis sérieux dans les trucs comme ça, je veux juste ça. Ah, parce qu'avec moi, t'as tout le temps sur un pas, toi, t'es dans le chien et tout, je sais que. Ouais, il va fatiguer. Pas de soucis. Aïe, gars, Bali a tilt. Ouais, il va fatiguer. Hein? Mais toi aussi, t'as vu la Vierge. Ouais, ça, ça va, ça, ça va, kiki. Ça, ça va. Ah, il a dit ça, ça va. Ouais, juste après le match. Moi, je rappelle déjà, j'ai... Mais fini. Eh, ça fait... Je suis arrivé à midi moins 20. Je lui dis, viens, on fait un FT10. Il me fait, ouais, attends, quand j'ai 18 000 points. Après, il voit qu'il arrivera pas à 18 000 points. Il me fait, bon, bah, vers midi. Je fais, ok, vers midi. Et là, il est midi 7. Et il me fait, ah, t'as pas un pseudo convenable. Idole. Oh putain, ah, elle va m'énerver. Hein. Tu vas m'énerver, hein. Allez hop, 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 mange ta frite là. Et c'est parti, mon gars. Oh putain. Mange ta frite une fois, hein, comme on dit chez nous. Mange ta frite une fois, viens jouer à la maison. J'ai de la maillot. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais il a rematch. Mais oui, il a rematch. Mais le mec, il a aucun respect pour moi. Il me fait attendre. Il me fait attendre, il veut qu'on reste sur son stream. Il veut. Je crois que j'ai que ça à faire, moi. Bah, en vrai, j'ai que ça à faire. Mais merde, hein. J'ai pas le temps, moi. Je termine des coups celui-ci et j'arrive, frérot. Ouais, ouais, je sais que t'arrives, frérot. T'en fais pas, ça va bien se passer. Putain, je comptais être gentil avec lui, mais je pense que je vais le taper un peu plus fort que ce que j'avais prévu de le taper. Ah ouais, ouais, parce que j'ai envie d'aller faire pipi popo. Je me retiens en me disant que c'est bientôt la bagarre. Mais en fait, j'aurais pu aller faire pipi popo. Ah là là, les gens qui t'empêchent de faire pipi popo, les gars. Aïe, 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 aïe. Mais non, meurs, non. Allez, meurs. Meurs ou tu fais quelque chose. Oh putain, ça passe cross-up ça. Putain, j'utilise jamais le... Dommage. J'utilise jamais le... V-Trigger 2. Mais la syntax. Et ta matrice. Le truc, il passe cross-up. Oh le gars! Ah, il était devant.
Ah, j'ai un... Tiens, on va lui proposer de venir vocal Discord, parce que là... Tu veux un vocal Discord Et je te rejoins tout de suite. Et go to the FT10. Non. Plein parce qu'on sait jamais, il y a peut-être madame qui va pop à tout instant. Proposition. Faut que je lance Discord, tout ça, ça va passer. Ok, il veut pas vocal Discord, il est timide. Good luck. Comme du bon. Luck. On va faire un grand timide. Let's go. FT10. Bon, je suis sur son stream en même temps, donc vous allez entendre en double. Et je veux l'entendre un peu queener. Je vais queener comme un porc. Ah, c'est dans quoi déjà ça? Ah oui, dans Helsing Ultimate. Ah, il fait la petite chanson du... Il fait que du... C'est ma première partie, il devrait être chaud quand même. Round 2. Ouais, je voulais le faire. Bon, c'est un marathon. C'est un FT10. Oh, j'ai plus fait de FT10. C'est un marathon. C'est un FT10. Un marathon qui va aller à l'ascension une tierce. C'est un marathon. Je l'entends très mal sur son round. Pourtant, il est à fond. Fight. Je vais lui demander de monter le son de son. Ok. Que je vide ces bisons. Et quel joueur de Dita qui se met ? Personne d'autre des shops à ce moment-là. Quel joueur de Dita parce que c'est qu'il y a, ah, il y a la shop qui peut venir de ça. J'ai pas mis t'entends très mal au micro.
C'est un petit rototo que je viens de faire. Désolé. Je lui ai écrit qu'on l'entendait mal. Parce que je suis concentré, je parle de loin. Là, je suis assis au fond. Et comme j'ai le gate du micro qui va très loin, enfin qui va. Je vais faire en sorte qu'il soit pas trop. Quand je suis loin du micro, on n'entend pas des masses. Normal. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'anti-chats. Que la chose qu'elle a réponse à la question. Ah, il voit des choses, je crois. C'est vraiment bizarre ce mot. Je sais pas ce qu'il dit. Et en même temps, même si je me fais laver, profite de ça pour gagner quelques trucs. Profite, profite. C'est bien, allez, profite. Round 1. Fight. Oh! Il a modifié tout à l'heure, il essayait de pas gonfler en tir pour le sauter. Et il s'est dit bon, pas les couilles. Terre froide. Ok. Gros point. Je mets dans le but du reste. Ah, je vais manger tout la chair de la terre, c'est dingue. Tape un peu trop. You win. Là, il a tapé des après. Non, ça va voir. Ah, il a dit quoi ? Entre guillemets, des petites fenêtres d'ouverture qui pop un peu à gauche, à droite. C'est difficile, hein, la remontada sera infaisable. Il cherche des fenêtres. On va mettre quelques FT. Il n'y a pas de trous. Respectons. Respectons-nous. Respectons-nous. Respectons les bisous. Monsieur C, monsieur C contre MPMP sur un coup. Monsieur C, le plus beau perso. Comment...
passer par la montagne. Très bien. Je sais pas comment tu chinises quand même, K, et comment tu poke. Après, le HK, c'est la magie du HK. Hein. Le tout n'est pas de savoir appuyer sur HK comme beaucoup d'en disent, le tout est de savoir bien appuyer sur HK. HK crush, counter. Comme moi, j'ai une tendance à déchoffe et la remarquer. Pourquoi arrêter d'utiliser un truc qui fonctionne, tu vois? Pourquoi arrêter? Vas-y. Ah oui, j'ai repris ma. Arrête de zooker. Elle est tellement... Et pourtant je voulais le bait, hein. Ah, il a voulu passer derrière à mon avis. Ah! De toute façon, je pensais que j'avais encore le VT, mais non. C'est ça, ouais. Je crois que j'avais encore. De super. Ouais, il a tapé. Ça, la vie de ma mère, je vais sortir. Ah, ça, ah, ça va choper le V. Le shift, ça. Ah, ça va bien lu. Enfin, même que je fais ça pour passer derrière, la plupart du temps, les mecs des chiffres, ça me met bien. You win. Ouais, mais comme c'est à moins 2, tu peux techniquement mettre la super derrière si jamais le mec il veut faire le fifoutou. Ah, il vient de découvrir le frame trap avec la grosse roulade. C'est une connaissance du perso, ben, pour les exploiter. Très bien, franchement, fort. Round 1. Non, t'es très rigolo. Fight. Je vais être plus fort. Ah, il est sous pression là. Ça se voit, ça se voit. Il cherche à plus lire les verres. Ah, hein. C'est quoi le VRF là, je me le mangerai toujours, le counter. J'ai même, je le mangerai toujours. Il cherche à le punir avec un trou qui sort en trop de frêle. Ah,
je sens que ça va partir sur un 2-0-5. Round 1. Fight. Exact. Tu sais que c'est un gros défaut. Je vais toujours punir en sortant avec des MP. Bah MP surtout. Alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est des vieux réflexes de choper alors que les coups ça se punit avec des petits frais. C'était pas... Oh, c'est le premier round que je me fais. You win. Je l'avais oublié en plus. Je l'avais oublié. GG. Chope très rarement au final. Peut-être qu'il va s'essayer à plus de choses. Ah, il s'essaye à plus de choses. J'avais vidé le saut quoi. Round 2. Ouais, les princes, ils sont... Oh, il est détruit, les sorciers. Je suis obligé, il m'oblige. Il est bien mon petit pied. Putain mais lui il saute instant il tape. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Si je fais rien là je vais me prendre un match. Si je fais rien je vais...
Super bien joué. Super you bien joué. Super bien finisher. Merci. Putain, ça devenait chaud là. Ça devenait chaud. On va essayer de lui mettre 10-0. Allez. Il est en train de se chauffer là, je pense. Donc soit je l'agresse bien comme il faut, soit je me prends un peu. Ah ouais, lui il saute instant plat en fait. Ils sont venus. Il est tout réfléchi en vrai. Ah là par exemple, il a sauté tapé direct. Titi bag. Et dès que le prochain stun, Titi bag quand même. Un Titi bag pour le FT, s'il te plaît. Avant le stun. Allez. Ah ouais, il y a tout à fait ça en vrai. Le FT, c'est son point fort. Enfin, après, il. Malheureusement, il tape et il n'y a rien en l'air, il se retrouve dans la merde. C'est un point fort, mais ça peut être un point. Vas-y, 2 fois d'affilée, je me fais 8 fois d'affilée, je me fais encore par la seconde. Pas la première fois que ça arrive, ça fait trop ce mec. Et là, il est en train de faire le best game. Ah, ça y est. GG Biki. Oh, gros GG. Du poteau. GG, hein, merci d'avoir accepté. C'est le GG. Le GG de la part de Biki. Le GG. 10-0 propre, en jouant très propre, en gérant sur les faiblesses. En vrai, joué. Franchement, mec, bien joué. Bien joué. Je reviendrai plus fort. Bon, voilà, les gars. Hein. Je vais uploader ça sur YouTube. Que dire avant de couper. Il n'était pas obligé d'accepter le FT10, sachant que souvent ça se passait très mal pour lui. Hein. Souvent, c'est pas la première fois qu'il se prend à 10-0, quoi. Mais je trouve ça courageux de sa part d'avoir accepté le FT10. Je lui ai proposé en plus de mettre ça sur YouTube. Et il a accepté. Il a dit bon, allez, bats les couilles. Si tu veux, il te faut du contenu, tout ça. Donc ce mec est cool. N'hésitez pas à le supporter. Je pense que ça va devenir un bon bison s'il travaille quelques trucs, quoi. Voilà. Mais déjà, il est pas dégueu son bison. Il est pas dégueu. Voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir un nouveau bison. J'aime bien les bisons dès que j'en vois un. C'est volontiers que je vais les affronter. Dès qu'il y a un bison, de toute façon, moi je suis là. Voilà, je vous fais des bisous YouTube. Je vous fais des bisous partout, sur le kikou, le froufrou, partout. Voilà, portez-vous bien et puis voilà, des bisous.